Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi sur, non pas les saisons valaisannes, mais sur ma petite Valaisie. On approche du 30e épisode. Pourquoi il n'y a pas de mode? Bah, déjà, on va aller, regardez, j'ai récupéré, c'est la deuxième fois que je récupère avec ce joli Fendt ancien Me Boy de lait. Elle travaille bien, les vaches ici. On va aller juste ça, livrer ça à la laiterie. Et après, on va faire un truc sympa. Vous verrez. J'ai enfin trouvé une chose. Je vous en dis pas plus. Vous verrez après. En tout cas, merci pour tous les retours du côté de l'épisode et du live sur les plaines russes. Ça m'a fait un grand plaisir. Plein d'informations. Mais on regardera ça après. Alors, pourquoi sur les plaines? Vous avez vu que je vous ai mis un petit poste. On va juste couper le moteur. Je vous ai mis un petit poste avec un son, un petit vote. Parce que, ben, Fanfan 80, du reste, je le salue bien. Et merci encore à toi de m'avoir passé les liens et les clés pour déchiffrer, pour que je puisse télécharger le multi de la Hauts-de-France et pour le solo. Voilà. Donc, j'attends vos résultats. Regardez, j'ai déjà fait du fromage, hein. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Oui. Hop. On va le laisser là. On les mettra sur les étagères là-bas, je pense, après. Ouais, quoi que. Il doit y avoir plus de lait. Voilà, il n'y a plus de lait. C'est pour ça. Il faut un paquet de lait. On finira de décharger, je pense, après. Peut-être en fin de vidéo. Donc oui, voilà, je dis. J'attends votre fin de vote. Bon, normalement, c'est dimanche, peut-être avant. Je verrai le pourcentage. Si je suis à 100% sur les Hauts-de-France, eh ben on en reviendra les saisons valaisannes, comme on était sur les Hauts-de-France. Par contre, est-ce que j'ai un tracteur, moi, là-bas? Non. Faut que je monte dans le. On va prendre le masset, tiens. On va prendre de le masset. Je vais peut-être juste laisser ça là. Voilà. Et normalement, peut-être fermer la porte. Hop, voilà. On va mettre les gyros. On va se mettre en vue intérieure. On va aller faire un petit truc. Alors, regardez, il y a toujours ma remorque de patates. Parce que j'ai pas fait de concasser encore. Peut-être que j'achèterai du grain concassé. Mais pour l'instant, les finances. Ça a touché au fond. Peut-être juste relever un peu le bras. Voilà. Nous, on se dirige juste là à côté où j'ai les silos et puis un peu le matos. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait faire, il fallait trouver pour faire des balles d'ensilage, quoi, pas d'ensilage, mais de ration mélangée. Voilà. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Petit épisode. Peut-être que vendredi, il y aura un autre épisode. Regardez, il y a encore un plateau là, il y a mes presses. Et regardez la réserve de patates que j'ai. C'est impressionnant. Bon, moi j'ai fait de la ration mélangée. Hop, on va accrocher, on va peut-être reculer juste un petit peu. Et regardez, alors je vais me mettre en vue extérieure. J'en ai déjà fait, hein. Non, ça c'est. Hop, voilà. On va se mettre comme ça. On va peut-être enlever les gyros, il n'y a pas besoin ici. Vous voyez, il y a comme un silo là, ici. Eh ben, ici, parce que vu qu'avec la nouvelle Beta 4, puis même je crois que sur la Beta 3, on pourrait déjà faire. On peut faire, hein, il y a l'ensilage d'herbe, et puis c'est séparé avec l'ensilage de maïs. Et on peut faire, donc ici il y a un stock pour l'ensilage de maïs. Et l'herbe, bah, l'ensilage d'herbe, il est à la ferme, hein, de l'autre côté, vous avez bien vu. Et on peut faire aussi des balles de ration mélangées qu'on va donner au pâturage. Rappelez-vous, hein, la dernière fois dans l'autre épisode, je ne savais pas comment donner mon ensilage. Et ben là, vous voyez qu'il y en a déjà. Et je vais vous montrer. Alors, donc, vous versez votre, ben, comme dans un silo, hein. On va verser ça là. Tranquillou, voilà. Par contre, je vais vider ça, puis après on continue. Je vous explique la suite. Voilà, regardez, on vide ça là, tranquillou. Voilà, là c'est fait avec une jolie Tamara comme Ben. Moi j'aime bien ces Ben. On va la laisser là. Regardez, le Seed Master, hein, pour faire les semences n'est plus comment ça en haut dans le hangar, il est ici. Et on va détacher. Juste couper le moteur et vous montrer ça. Regardez ici.
Ça, c'est pour faire les semences. Si on monte à l'intérieur, regardez, hop, j'enlève la bâche, on remet la bâche. Vous avez vu ça? Ah, ils ont trouvé des trucs assez fabuleux. Nous, on va remonter dans le bassin, on va rallumer et on va prendre. Alors, dans l'ancienne version, la bêta 3, il y avait une vidéo qui montrait comment faire ça. Elles n'étaient pas enrubannées, les balles. Alors, moi, j'ai cru qu'on pouvait faire sans rubaner. Ah non, il faut. Alors, moi, j'ai pris la classe, hein. Alors, elle est à moi maintenant. Bien sûr, il faudra que j'ai une autre presse parce que, vu que les balles sont rectangulaires avec le stockage, je suis obligé d'avoir une autre balle. Et on va garder celle-là pour faire tout le reste. Donc, il faut. Les machines à enrubanner, ça fonctionne. Hein. Même en mode, là, c'est le DLC. J'ai pas d'enrubanneuse d'un mode. Donc, je peux pas vous montrer. Mais en tout cas, ça fonctionne, quoi. J'ai pas testé, mais ça doit fonctionner. Ben, vous mettez en route. Voilà, on va descendre et on fait nos babales. Alors, ça va très vite. Hein. Hop, ration mélangée. Regardez, il y a déjà une balle. Et regardez quand je vais décharger. Hein. Alors, elle va s'enrubanner. Hein. C'est clair, hop, on va la laisser comme ça. Moi, je peux continuer à faire l'autre. Voilà, je ne vais pas aller trop vite parce que ça remplit vite la chambre. Voilà, on va juste attendre que celle-là elle est finie. Bon, moi, j'ai fait vert hein, parce que j'ai fait avec une autre. Bon, c'est pas bien grave. Et quand vous déchargez, hop, regardez ce qui se passe. Hop, voilà, vous avez vu? Elle est là-bas. Bon, il y a l'autre hein, maintenant qui se met. Je vous montre après. C'est automatique. Je vous montre après. Regardez, là, on va continuer. Alors, c'est vrai que vous me direz, ça fait du boulot, mais il faut ça. Si vous voulez donner de la ration mélangée, vous savez que dans les pâturages pour les vaches, ben, c'est que en bas, là. Hop, ça en décharge. Elle va se mettre, regardez, là, sur la gauche. Hop, elle s'est mise. Voilà, ben, c'est tout simple, hein. Mais j'ai cherché un sacré moment. Alors, par contre, j'ai été sur le forum. Hein. Bien sûr, vous savez que moi, on a un forum des supporters. On peut vraiment voir les choses, poser des questions et on est très vite renseigné. C'est des réponses très très rapides. Hop, voilà. Je vais juste reculer parce que je vais reprendre ce qui reste là. Et bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez faire de l'ensilage d'herbe. L'ensilage de maïs l'ensilage de maïs se met ici. Alors, je sais pas si l'herbe, j'ai pas testé, mais ici, normalement, oui. Quand on va là-bas au silo, comme on va y aller, là, hop, on décharge, on va se mettre là-bas, pouf, voilà. Alors, il y a une capacité, hein, c'est clair. Là, je vais en avoir assez, je vais pas en refaire de sitôt. Bon, je peux en donner, on pourra en donner. Même à la stabulation, mais c'est principalement pour réserver pour comment ça celles qui sont au pâturage. Alors, je sais pas, dites-le-moi pour en IRL, est-ce qu'on donne vraiment de la ration totale mélangée au pâturage? Normalement, on devrait même pas les nourrir. Hein. Moi, quand j'avais les vaches, comme vous avez pu voir les jolies photos que je vous mets des fois. C'est des photos de certaines de mes vaches. Hein. Donc automatiquement, hop, voilà, ça c'est fait. Hop. On va les voir après là. Moi j'ai choisi vert, voilà. On va juste reprendre. Je sais pas si j'ai bien fait de reprendre ça. Parce que automatiquement, voilà. On va attendre qu'elle est finie. On va relever. Parce que de toute façon. Regardez. Je vais me mettre plus près, vous allez voir. Hop, je décharge, c'est automatique. Alors bien sûr, il faut aller l'activer. Hop, elle s'est mise. On va couper ça. Je vais éteindre le tracteur et on va venir ici. Et voilà, les babelles, elles sont ici. Et quand vous vous approchez, c'est comme les autres silos. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est marqué en sillage de maïs. Alors j'en ai pas, mais si vous changez. J'en ai 19 sur 32. Et puis, vous sélectionnez le nombre que vous voulez de balles sortir. Voilà. C'est tout simple. Mais je voulais vous montrer ça. J'ai cherché pendant un moment. Merci en tout cas à Andy de Mundimwelt, de LS Company, pardon, qui m'a renseigné, quoi, un de ses modérateurs.
Parce que avant, sur l'autre version, on n'avait pas besoin d'enrubanner, quoi. Mais c'est bien pratique et c'est super. Nous, ce qu'on va faire, je vais peut-être laisser le tracteur là. Et puis on va aller finir ici, de décharger, remettre en route la fromagerie. On va les juste mettre sur les étagères. Ça, je ne veux pas vendre maintenant. Hop, on va la prendre. La pièce de Kaizé. Hop, on va la mettre ici. Ça. Hop. Ah bah ça prend en automatique, vous voyez. Hop. Alors là, il y a aussi, je pense, le système. Ça, c'est bien. C'est pratique, hein, parce que c'était toujours la galère pour les mettre. Ça prenait du temps. Là, vous approchez. Hop. Et puis je pense qu'il y a le système. Non? Il n'y a pas de système là? Ouh. Ah, c'est peut-être la banque directe là? Ou bien non? Est-ce que je peux les reprendre? Non? Pourquoi je peux pas les reprendre? Alors là, c'est pour le fromage de chèvre. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Juste remettre ça. C'est bien joli. Alors. Ou alors, ça va vendre direct. On verra ça, je vous tiendrai au courant si ça se vend, ça. C'est un peu bizarre, quoi. C'est bizarre de chez bizarre. Ouais, mais on peut pas. Non, non, on peut pas. J'ai pas la touche. Alors, est-ce que en mettant peut-être ça en route. Ça, c'est le ventilateur. Non, ben non. Alors, est-ce qu'il y a un endroit. Qu'est-ce qui était marqué, là? J'ai vu un truc. Ah non, mais ça, c'est le machin. Tac tac, là ils expliquent, et puis après, bah, c'est peut-être un point de vente, hein. Je sais pas, j'aurais peut-être dû les poser ici. Alors celui-là, il n'est pas fini. Nous, on va vite décharger ça, les habits. Hop. Allez, viens là, toi. Ça, on va en refabriquer. Bien sûr, ici, à la laiterie, comme je vous ai dit, hein, il y a le Manu System qui est partout, regardez. On peut crocher les tuyaux ici. Alors, il faudra sûrement ouvrir le robinet comme j'ai pris l'eau. Et ça, c'est super pour le réalisme. Par contre, les fromages, ouais. Faut dire que ça, j'attendais toujours ça. J'ai jamais fait de fromage, vraiment. Et ça, c'est bizarre que j'ai pas. Ouais, peut-être qu'ils vont. Ah, peut-être qu'ils se mettent là et après ils se mettent là-bas quand ils sont affinés. Peut-être bien, peut-être bien. On va voir ça. On verra bien. Parce que normalement, c'est pas ici que ça se vend. Oups, bien là. Elles sont bien ces bidons à lait parce que nous on appelle ça des boy à lait parce qu'elles tombent, elles se mettent toujours droite. Voilà les amis. Alors donc je vous ferai une annonce hein, parce que sûrement avec la farming family, je dis bien peut-être. Hein, il faut vraiment que bah, j'ai du boulot, il faut toujours mettre sur le serveur vu qu'on était sur la Molokovo, sur le serveur avec la farming family, il faut toujours change et ça prend du temps surtout que si je dois encore sortir des épisodes ça prend du temps donc je ne sais pas si il y aura un live la farming samedi voilà je préfère vous verrez s'il y a un poste ça sera vendredi s'il n'y a pas de poste ou bien samedi matin s'il n'y a pas de poste c'est qu'il n'y aura pas de live voilà. Parce que bah, ça prend du temps et j'ai encore des tournages à faire. Il faut je prépare. Bah, ça sera d'après le vote que vous aurez fait. Normalement, il se termine dimanche matin, le vote. Peut-être que avant, je vais encore regarder aujourd'hui à combien de pourcentage on est. Si je suis vachement plus haut. À 100%, on partira sur les Hauts-de-France. Autrement, eh ben, je respecterai votre décision. Voilà. Donc, j'attends. Est-ce qu'il l'a pris ou alors je vais aller voir de l'autre côté. Parce qu'il me semble qu'elle a traversé le mur. Est-ce que t'as pas passé par la. Non? Non, je crois pas. Hein. Non, non, elle n'est pas là. J'ai cru qu'elle avait traversé le mur, mais non. En tout cas, elles produisent bien, mais vous avez vu la quantité, c'est à peu près la même quantité là que je viens de décharger pour faire allez, 4 fromages, quoi. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est énorme. Mais par contre, ouais, c'est peut-être l'affinage là-bas. Rappelez-vous, sur les versions du 17 ou bien au tout début, il y avait la salle d'affinage là pour les fromages. Alors la machine à beurre, elle est en haut vers les autres réservoirs. Parce que j'ai dit, bah ici, c'est pour le fromage, je ne vais pas la mettre ici. Je l'ai mis en haut. On ira voir après. Là-haut, bah, vous pouvez mettre en stock. C'est la même chose. Oups. Viens ici.
Je vous ai dit qu'elle se remettait toujours droite. Voilà, hop, voilà, comme ça va se... On va remettre en route ça après. Comme ça, c'est bien. En tout cas, ce petit fend avec ce plateau là, ça va se... Oh, hop, regardez. Mais moi, à mon avis, je sais pas. Je sais pas où, à moins que la table là-bas, c'est parce qu'il y aura bien la table où apparaît les fromages de chèvre. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez que je peux pas. Si vous le savez, pour ceux qui ont déjà fait du fromage sur la même version que moi, ou même l'autre, hein, la Beta 4, dites-le-moi si c'est pour vendre là, parce que vraiment, je suis. Oups, on va fermer. Ah non, il faut peut-être que je remette en route la machine, ce serait mieux. Activer, voilà, c'est bon, c'est parti, on est tranquille pendant un moment. Bon, bien sûr je vais mettre des vaches et des veaux à la stabulation, hein. Et ici, bah, comme vous pouvez le constater, vous avez pour décharger, j'ai bien sûr mis le petit tuyau, vous voyez, hop, il faut le ramasser, hop, vous mettez ici, pouf, il se met sur la barre là, rangée. Et j'ai mis, alors ici c'est une réserve, hein. Il n'y a pas de fabrique, tout ça. On peut, je crois, mettre un. Est-ce qu'on peut mettre tous les. Mic-host. Non, je crois pas qu'on peut mettre du. Bien. Est-ce qu'on peut mettre du chèvre ici? Je crois pas. Je ne crois pas. Je suis pas sûr, mais. Alors là, c'est la ventilation aussi. Mais je l'enclenche pas pour le moment. Il n'y a pas de lait. Et j'ai mis la machine à beurre. J'irai chercher des petits bidons. Ça va très bien ici. Mais. Je sais pas si on peut emmagasiner aussi du lait de chèvre. Bah, écoutez, on en aura bientôt. On verra bien tout ça. Voilà. Donc, petit épisode aujourd'hui. Nous, on va aller ranger ça quand même avant de se quitter. On peut enlever ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors, je suis en train, j'ai déjà moissonné un champ que j'ai mis en réserve. C'était du. Soja ou du colza, je sais plus. Et je suis prêt à moissonner pour faire de la paille, mais cette paille, vous voyez, là, c'est tout prêt. Regardez, il y a la benne adhérente, le fent et la moissonneuse classe. Après, cette paille là-bas, ben, je vais la mettre pour aller faire du compost. Ben, ce serait pas mal. J'ai la petite gyrax pailleuse là, ben, j'ai paillé les chèvres. Oui, j'ai repris les chèvres. Voilà. Donc les chèvres et des moutons, donc ils me font de la laine et ils me font du lait. Hop, on va aller mettre ce petit fent là, 1 kg fent. Et voilà, hop, on peut couper le moteur. Donc ça va très très bien. Par contre, il faudra que je prenne les poules comme j'avais avant. Il y a plein de choses. Tiens, là, voilà, ça c'est une balle. Mais pourquoi moi j'ai plus le truc? C'est impressionnant. Avant j'avais le. Quand on prenait une balle, normalement on avait le machin. Ouais, c'est bizarre quoi. Enfin bref. Ça c'est de maïs. Hein. La paille de maïs, moi je l'ai laissée là. Elle va très bien dans la mélangeuse. Et ben voilà. Voilà les amis. Donc, pour cette fin de semaine, peut-être vendredi, un nouvel épisode de Ma Petite Valaisie. Je vous tiendrai au courant au niveau du vote, mais je pense que c'est bien parti. Ouais, on se retrouve vendredi ou samedi en épisode, je sais pas, mais sûrement vendredi un épisode encore ou samedi, je sais pas, je sais plus, je sais pas. De toute façon, il faut que j'avance un peu, donc voilà. Peut-être ce week-end, ce dimanche, là, on saura peut-être, bah, vous verrez. Peut-être que je vous donnerai les résultats pendant l'épisode et puis vous verrez bien sur quelle map je suis d'après bah, les votes. Voilà. Allez, moi je vous souhaite tout de bon. Portez-vous bien, faites attention à vous. Bonne fin de semaine à tous et à très vite les amis. Salut!